Ballon d'or, Rodrigo donne sa réponse. Abonne-toi et mets un like. Rodrigo, qui a savouré la gloire la saison dernière, a réagi à son exclusion de la liste des 30 finalistes pour le Ballon d'or. L'international brésilien de 23 ans a inscrit 17 buts pour les Blancos au cours de la campagne 2023-24, qui leur a permis de remporter des couronnes nationales et continentales. Il a fait plus de 50 apparitions dans toutes les compétitions, devenant un personnage clé dans les plans de Carlo Ancelotti. Rodrigo a conservé sa place dans le 11 de départ du Real au début de la saison en cours, malgré l'arrivée du vainqueur de la Coupe du Monde Kylian Mbappé et du jeune prodige Hendrik à Santiago Bernabeu, qui lui ont fourni une concurrence supplémentaire pour les places d'attaquant. Rodrigo s'agace. Le Sud-Américain a cependant été négligé pour le prix individuel le plus prestigieux du football mondial. France Football n'a trouvé aucune place pour Rodrigo dans sa liste de prétendants au titre de meilleur joueur de la planète, ce qui a conduit l'attaquant du Real à leur rappeler ses exploits, tout en ajoutant un émoji rieur pour faire bonne mesure. Si Rodrigo a été écarté, plusieurs de ses collègues madrilènes sont en lice pour le Ballon d'Or 2024. Vinicius Junior et Jude Bellingham sont considérés comme de sérieux prétendants à ce prix, tandis que Dani Carvajal, Toni Kroos, Antonio Rudiger et Fede Valverde sont également considérés, aux côtés de Mbappé. Ballon d'Or 2024, un podium 100% Real Madrid. Le Real Madrid compte dans son effectif plusieurs joueurs favoris pour le Ballon d'Or 2024. Bellingham, Carvajal, Kroos, Rudiger, Valverde, Vinicius et Mbappé sont les 7 madrilènes nommés au Ballon d'Or 2024 et quelques-uns d'entre eux sont considérés comme des potentiels vainqueurs, notamment Vinicius, Bellingham et Carvajal. Et si le Real Madrid remportait l'or, l'argent et le bronze, 3 mois après les Jeux Olympiques de Paris, le lundi 28 octobre 2024 dans cette même ville, rien n'est impossible avec ce club. Mais un Espagnol de Manchester City risque de venir jouer les troubles faits en la personne de Rodrigo, qui a réalisé une grande saison à Manchester City, étant auréolé d'un nouveau sacre en Premier League et ayant réalisé également un très bon euro remporté avec la Roja, élu meilleur joueur du tournoi. Si le Real Madrid réussit cet exploit d'avoir 3 joueurs du même club sur le podium d'un Ballon d'Or, ce sera seulement la 3e fois dans l'histoire des 67 éditions que cela se produit. Seulement 2 précédents dans l'histoire. En 2010, le FC Barcelone avait dominé le podium du Ballon d'Or avec Messi, Iniesta et Xavi. Plus loin dans le passé, en 1988, le Milan AC avait placé Van Basten, Gullit et Rijkaard sur les 3 plus hautes marches du Ballon d'Or. Le Real Madrid est à la fois si proche et si loin de réaliser ce triplé qui serait en symbolique. En tout cas, Vinicius fait figure de favori numéro grâce à son excellente saison au Real Madrid avec 24 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues et notamment un but en finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Jude Bellingham a aussi ses chances avec de bonnes statistiques, 23 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues, mais il a un peu disparu des radars en deuxième partie de saison et a réalisé un euro plutôt moyen avec l'Angleterre qui aurait pu lui permettre de marquer plus de points dans la course au Ballon d'Or malgré la finale perdue face à l'Espagne. D'un certain Carvajal, 2-1. Ce dernier a réalisé une saison extraordinaire avec le Real en marquant un but en finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund et a également remporté l'Euro avec l'Espagne, avec laquelle il a été tout aussi bon qu'au Real Madrid. C'est dire. Le grand gagnant sera connu le 28 octobre et si c'est un joueur du Real Madrid qui l'emporte, ce sera le 9e joueur de l'histoire de la Casablanca à gagner cette récompense individuelle et le 13e sacre pour les Merengues, Cristiano Ronaldo, 4 fois. Di Stefano, 2 fois, Copa, Figo, Ronaldo Nazario, Cannavaro, Modric et Benzema, tout 1 fois. A noter que le Real Madrid a vécu une disette de ballons d'or entre 1959 et 2000, mais depuis, c'est la grande émoisson.